2000, la fin d'un siècle, la fin d'un millénaire. Avant de repartir pour une nouvelle aventure vers l'avenir, n'est-il pas bon de se retourner sur le passé et de dresser un inventaire de l'acquis, du positif, du patrimoine, c'est-à-dire des richesses que nos ancêtres nous ont léguées. Richesses multiples et variées, églises ou châteaux, puits ou lavoirs, vallées et forêts. De quoi rêver. Divaguons ensemble, en poème, sur notre petit coin de terre. Laissons-nous bercer par des vers libres, sur un fond de belle musique, et les images colorées d'un environnement souvent méconnu. MacDonald, qui ne connaissait pas l'Écosse, eut à cœur de visiter le pays de ses ancêtres à l'âge de la retraite. Il revit les lieux où le prince Charles-Édouard, instauré écarté du trône d'Angleterre, avait tenté en vain de reconquérir sa couronne. Dans cette rébellion contre les Anglais, il fut aidé surtout par le clan MacDonald. Une jeune femme, Flora, l'escorta et le guida dans sa fuite après la défaite. J'ai vu la terre d'Écosse, le pays de mon père, montagnes et ravins empourprés de bruyères. J'ai tremblé près des locs au fond mystérieux, quand les collines fument par les matins brumeux. Haute terre sauvage, couverte de fougères, patrie du prince Charles qui était notre roi. Je n'oublierai jamais, devant le cimetière, où gisent tant de morts, quel fut mon désarroi. J'ai vu, passant la mer, la romantique Skye que le prince, en fuyant, parcourut jour et nuit. La petite chaumière dans l'île d'Eriskaye, où il prit du repos, oubliant ses ennuis. Il était encore fier, comme au jour de sa gloire, aidé dans ses malheurs par la belle Flora, une vraie MacDonald. Saluons sa mémoire. Elle repose dans l'île et son nom restera. Le sordon
est une résurgence qu'on découvre à l'étang. Les Romains de Gannes avaient construit un long aqueduc pour capter cette source. Puis, pendant des siècles, le Sourdon fit tourner le moulin à farine du hameau. Aujourd'hui, te souviens-tu du temps et de ta folle course qui parvint à l'étang où tu jaillis en source? Les Romains sont passés, admirant ton eau pure. Ne pouvant te laisser courir dans la nature, ils t'ont emprisonné dans un joli conduit, t'ont mené à Assé en esclave réduit. Tu ne connus jamais de repos ni de trêve. Le meunier te dompta. Pour toi, finit le rêve. Le moulin fut ton but, ton travail, et rien d'autre. Pour écraser le grain, le seigle comme l'épeautre. Aujourd'hui, tu es libre. On te laisse au repos, à regarder le ciel et sentir l'aubépine. Tous les curieux t'admirent comme un monstre de zoo et voudraient bien toucher le cuir de ton échine. Revient sans cesse dans les archives du 19e siècle à Beaulieu. Du Lac, qui fut tailleur de pierre, maçon et sculpteur, nous a laissé des croquis et des plans dignes d'un architecte. Il est né à Clamecy. Après son mariage, il a vécu à Bué, dans le Sancerrois. Veuf, il revient à Beaulieu, où il exerce son métier. La maladie l'obligea à se soigner à l'hôpital d'Orléans, Porte-Madeleine, où il mourut en 1881. Il avait 74 ans. C'est bien à Clamecy, du Lac, que tu naquis, un jour de février, juste au bord de l'Yonne, où flottait tout le bois qui voguait vers Paris. Tu travaillas la pierre, la profession est bonne. Habile et généreux, tu fis ton tour de France, taillant et retaillant, sculpteur plein d'espérance. À Bué, tu t'installas, puis tu vins à Beaulieu. On creusait le canal et tu fis de ton mieux. Aqueducs et ponts, tu travaillas partout. On admirait ton art, on en était jaloux. On fit appel à toi, à la ferme Faisot, qui devint, sous ta main, la demeure Pinceau. Tes œuvres sont restées, surtout au cimetière, ton chef-d'œuvre,
À coup sûr, c'est notre baptistère. Les seigneurs d'Assé, les Stutes, sont d'origine écossaise. Au début du XVIe siècle, ils se dispersent à travers la France. Michelet Stute va en Aquitaine, en Périgord exactement. Il aura un fils, Alain, qui prendra le nom de sa mère, Solminiac, et qui deviendra évêque de Cahors. On retrouve ce nom, Alain de Solminiac, dans tous les livres d'histoire bien documentés. Michelet, savais-tu, quand tu quittas Assé, cherchant le soleil du midi, que tu resterais en ce pays? Savais-tu que tu épouserais noble dame du Périgord, une Solminiac au nom sonore qui chante en terre d'Aquitaine, un pays de Languedoc au son dur comme le roc. Ton fils, Alain, fut un modèle, aimant, docile et travailleur, à la religion très fidèle. Dans sa classe, il fut le meilleur. Tout jeune encore, il fut abbé dans le vallon de Chancelade, parmi les chênes et les noyers où les cigales donnent au bade. Ce fut vraiment un grand saint homme, charitable et pieux, faisant l'aumône, aidant les pauvres et priant Dieu au bord fleuri de la Boronne. Le roi le sut, et Richelieu, pour le remercier, tous les deux, lui offre l'évêché de Lavaur. Finalement, ce fut Cahors. Rue de tâche, en pays protestant, que de parler des sacrements. Tout est hostile, Albi, Moissac et Montauban. Les Huguenots sont là présents. Solminiac a du courage et jamais ne rechigne à l'ouvrage. Il est aimé et vénéré et ses bienfaits récompensés. Après bien des années de fatigue et d'efforts, il quitte la ville sans se plaindre. C'est à Mercues, un château fort, au bord du Lot, qu'il va s'éteindre. Il gît dans la cathédrale. Vous y trouverez son tombeau et ses habits sacerdotaux, sa chape et sa mitre et sa crosse. Souvenez-vous qu'il vient d'Écosse. Thank you.
Connaissez-vous la ronde et son moulin? Et Guillemot, le vieux meunier, il moulut et moulut tant qu'on voulut le blé et le seigle et l'orge et le sarrasin des pauvres au clair courant de la Venelle. Et l'or gonflait son escarcelle. Lui besognait jour après jour, haletant. Et le moulin tournait lentement, rythmant le temps. Riche, il acheta landes et friches, un petit bois de chêne et de châtaignier. Et le petit bois devint grand, taillé et futaie et forêt, avec érables et bouleaux, qui domina tout le coteau. Tout en haut poussaient quelques grands chênes, les grands chênes à Guillemot. Ce sont des rois, des géants, des titans, capables de braver tous les temps, et les vents, et les tempêtes. Ils restent toujours debout, droits et muets, insensibles à tout. On se promène, on les admire, les grands chênes à Guillemot. Lui mourra, eux vivront, tous les quatre. Il n'est point temps de les abattre. Et en ont-ils vu depuis des siècles des amoureux aux pas alertes et des printemps, primes verts et violettes. Ils sont forts, ces sages, invulnérables malgré leur âge. Sourit-il de voir l'écureuil et le corbeau, couleur de deuil? Le renard, au couchant, faisant sa ronde, se faufilant très loin du monde? Non, l'arbre est dur, insensible à nos maux, même les chênes à Guillemot. Un jour viendra qu'ils tomberont sous la cognée du bûcheron. On oubliera ces beaux grands chênes qu'on admirait dans la forêt. Mais quelle est donc cette clairière? C'est le pâti à Guillemot. Le manoir de la Motte date du Moyen Âge. Ses derniers châtelains furent le chevalier de Beaumont et son épouse, noble dame Jeanne de la Boutillière, seigneur aussi de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Montcresson, près de Montargis. Au XIVe siècle, ils vendirent la Motte aux chanoines de Bourges, seigneur de Beaulieu. Sur ce coin de commune, les châteaux forts étaient nombreux et rapprochés. On connaît les Plessis, le Bois Herlot et le fief de Mandevillain, dont on a perdu la trace au sol. Voyez-vous ce manoir, perdu dans le feuillage? Sans tour ni clocheton, une demeure sage, entourée d'eau, avec étable et bergerie, à deux pas de Beaulieu, à l'entrée du Berry. Du château de la Motte, on connaît bien le nom, et son seigneur était le chevalier Beaumont. Noble dame Jeanne, il avait pour compagne
qui voulut fuir, hélas, notre belle campagne. Les chanoines de Bourges achetèrent les lieux. C'était, il m'en souvient, en 1322. Et la maison fut vide, et le logis sans maître. Un manant, seul, resta pour faire les vaches paître et cultiver le sol, semant froment et lin. Les champs étaient fertiles, prodiguant la richesse. Qu'êtes-vous devenu, ancienne forteresse, boire l'eau et plessis, et vous, monde vilain? On connaît bien l'obélisque de Courcelles, appelé aussi la pyramide. MacDonald, alors propriétaire du château, le fit ériger à l'occasion de son mariage avec Ernestine de Bourgoin. C'était le 26 septembre 1821, alors que les vendanges battaient leur plein, non loin de là, à la maison des vignes. MacDonald, qui n'a que des filles, est deux fois veuf. Il se marie donc une troisième fois pour échapper à la solitude, car sa sœur Sophie, qui vivait avec lui, vient de mourir, mais aussi dans l'espoir d'avoir enfin un enfant mâle. Un petit Alexandre naîtra 3 ans plus tard. Obélisque de pierre, dressé vers les étoiles, tu regardes le ciel et crie à Dieu les mois d'un maréchal d'empire, aussi heureux qu'un roi. L'avenir est pour lui radieuse et sans voile. Ernestine est enfin arrivée à Courcelles, jeune femme épanouie, venue du Grand Paris. Que ne ferait-elle pas pour son charmant mari? Et lui sera galant, affectueux et fidèle. Le soleil est moins chaud, nous sommes en septembre, à l'heure où le raisin, qui pend au bout des pampres, rougira les paniers, la hotte et les tonneaux. Vendange vénérée, symbole de puissance. MacDonald, lentement, regagne le château et se prend à rêver d'enfants et de naissance. Merci de votre attention pour un film d'un genre inhabituel, tant par le fond que par la forme. Puisse-t-il vous avoir apporté des notions nouvelles sur un patrimoine encore mal exploré et difficile à appréhender? Certes,
les Bellocéens célèbres ne sont plus que des fantômes. Mais les lieux restent, richesses pérennes, comme le Sordon ou le Paty Guillemot. Sachons les admirer. Remercions ceux qui ont collaboré à cette réalisation, notamment mesdames Girard, Labaye et Bazine.